السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم جميعا فيديو جديد غادي نشوف في هذا الفيديو باركور ديال فرونت اند ديفلوبور شنو هما لي كور اللي كيقرا لي اللي يقدر يتبعهم باش يوصل لواحد لو نيفو اللي يكون مزيان اوسي غنوقفو على لي ديتاي دو شاك بارتي ديال لو باركور ديال فرونت اند ديفلوبور بقاو معنا مرحبا بكم من جديد غادي نشوفو Roadmap, il le front-end développeur. Il a un rôle très important l'équipe de développement de l'entreprise ou bien pour le projet. Alors, le site, le site, le roadmap, le roadmap.sh. Donc, il y a plusieurs roadmaps, euh, des ponts, le job, par exemple, front-end, back-end. Euh, devops, etc. On va trouver, d'autres vidéos, des roadmaps pour d'autres rôles. Alors, on va commencer par le front-end. Donc, euh, front-end, tout simplement, il donc, les bases. Donc, les bases, les ou HTML, CSS, Javascript. Donc, on va commencer. Alors, Quelles sont les bases Toujours, paye job, et role, qui m'a le développeur par les bases. Les bases, ou mal HTML, DL front-end, ou mal HTML, CSS, JavaScript. Pourquoi JavaScript Parce que JavaScript, qui DOM, aussi BOM, et euh, qui t'fichine les API et HTML est euh, inclus dans HTML. Aussi, JavaScript est de l'interaction ma CSS. Donc le front end. il y connaissons les bases du développement. Mais avant ça, il doit savoir les bases de l'internet. Donc les bases de l'internet. Qui fait ce que c'est l'internet? Tout simplement. L'internet, qu'il il y a global network of computers, il y a des computers ou bien des des edges connectés l'un avec l'autre. Tout simplement, puisque'' faciliter la communication, bien évidemment, à travers ou qui doit faire le standard et le protocole et qu'il faut qu'aimer. Donc, qui fait ce qui Internet, qui l'introduction Internet, c'est un autre c'est un autre sujet. Après, est le développeur et a l'HTTP. Donc, l'HTTP, c'est un protocole. C'est un protocole TCP/IP basé sur la, les small les, la communication. Donc, à travers l'HTTP, on a la, la méthode classique, le client-server modèle, pour voir la connexion, ou bien connection request, même le serveur ou le client, ou qu'il y ait plusieurs, euh, plusieurs protocoles, ou bien plusieurs euh, on va dire euh, on va dire euh, plusieurs euh, étapes dans, dans, dans HTTP protocole tout simplement euh, donc tout simplement d'autres détails pour l'HTTP protocole mais mais enfin pour d'autres vidéos inshallah aussi alors maintenant donc ça il faut qu'aller sur internet il faut What is HTTP? Aussi, what is domain name? What is hosting? Donc, what is domain name? What is hosting? Et DNS and how it works. DNS, c'est domain name. Donc, tout simplement, c'est domain name system. Qui va se dire aussi à travers le protocole IP. Et on a aussi les browsers. Qui va se dire, tout simplement. Donc, c'est les bases. Et après, on va HTML, donc les bases d'HTML, aussi les bases de SEO et les bases de CSS. Aussi, on va JavaScript, donc les bases, donc les bases, tout simplement, c'est les variables, les déclarations, les fonctions, etc. Et on va voir DOM qui fait que JavaScript euh, interagit avec euh, tout ce qui est HTML, etc. dans DOM. Qui y a la, la, la partie de la qui qui va l'interaction avec le DOM. Aussi, la, la partie la plus importante c'est Fitch API, c'est la partie qui parce que nous pouvons consommer les API ou bien envoyer les requests, etc. etc. Aussi, il y a un peu de le il y donc, ce sont des bases, tout simplement, ce sont des bases. Donc, pour le système versionnel, il y a plusieurs outils mon GitHub, GitLab, Bitbucket, Redo, ce sont des top. Après, il y a un JavaScript, JavaScript, traduction faux, les frameworks et les librairies. Donc, il y a React, Vue.js, Angular, il y a plusieurs, le moment diana, il y a, a plusieurs. Donc mais quand on parle les librairies ou bien les euh, frameworks, comme comme tout le le package manager, MPM, bien npm, ou yarn. C'est pour l'installation, c'est pour euh, aussi, euh, euh, providing les librairies ou bien les plugins, etc. etc. Donc, on a la partie CSS, la partie CSS, elle a aussi des frameworks, mes bien Tailwind, Radix, Bootstrap, etc. etc., etc. Donc, euh, à travers les Package managers ou bien les building modules, qui plusieurs choses. Quand on peut le système on le système WebPack, le système Rollup, Parcelle, NPMScript, ECLint. Donc, maintenant, on a de partie, on le rôle intermédiaire, l'immunisme pour le front-end développeur, si on a Alpha, purement si on a Alpha, PCRKDAR avancé, le développement ou le parcours donc

aussi, ce euh, sont des « web security basics » les plus Aussi, on sait comment on travaille avec les « web components » donc HTML components »,« JSX », etc. etc. Uh, aussi, surtout TypeScript, on a une chose type checkers » que travaille Donc, ce sont des parties liées lient web component web services » et web security ». Nous avons la partie liée au « server-side rendering ». Donc, « server-side rendering », tout simplement, c'est un process de service euh, qui complète la, la structure d'HTML. Donc, c'est un autre sujet aussi. Donc, on va dire server-side-send-run, on va le GraphQL, donc aussi on va la partie du storage, donc les WebSockets, les servers-send-event, les servers-workers, location, notification, payment, conditional, et donc les main Donc, le parcours d'un front-end developer, c'est un parcours très complexe et très complet. Donc, on a performance metrics, using Lighthouse, using DevTools. Donc juste c'est la partie performance pour euh, tout simplement faire des mesures, améliorer euh, la performance de l'application Donc on a maintenant qu'on entre la site web, qu'on entre la application web. Euh, qui dans la partie la, la partie euh, la plus importante aussi c'est la progressive web, web apps. Donc la Progressive Web Apps sont des websites euh, que sont tout simplement progr Progressively Enhanced to Function Like Installed. Native Apps or Supportive Platforms, par exemple, qui connaît plusieurs applications liées à une seule application, par exemple, Mobile App ou bien euh, Tablet App, etc., etc., Desktop App, etc., euh, liées à une website. Ou un petit camion qu'on appelle Progressive web apps où il y a la tendance d'y aller le développement front-end. Alors, je pense euh, que maintenant, le tour, elle euh, a les modules nécessaires pour devenir un développeur front-end. Mais on n'a pas détaillé euh, chaque module parce que euh, les module, il so, y a un cours bien euh, détaillé, bien spécifique.

Euh, la chose électronne, c'est euh, à éviter pour moi parce que c'est pas la peine parce que d'autres outils liquissent à l'eau. à créer des app up Voilà, on qu'il y a des des frequently asks questions. Par exemple, what are the job titles of front-end front développeur? Donc, front-end développeur. are also known as front end engineers front end web developers javascript developers هادو كلهم دي تيتر اللي خاصين بال front end developer how to become a front end developer starting كيف قلت learning html css um, etc., etc etc what are the front end developer salaries دونك هنا ملي كنهضروا على developer salaries كنهضروا على um, الحاجه اللي غتموتيفي كيلكان بوغ Donc tout simplement commencer fait Le job. Front end developer salaried. Donc can vary depending on factors such as locations. Donc tout simplement c'est dépend location finance comme ça. Par exemple Maroc, au Maroc, on have parce que le front end developer au euh, dépend dépend, dépend aussi.

لا تنسوا ديرو لايك لا فيديو الى إيه عجبتكم وتخلي لي يكون زوين السلام عليكم